L'Ukraine a accusé mercredi Moscou d'avoir attaqué avec des drones des entrepôts de céréales sur un port du Danube dans la région méridionale d'Odessa et revendiqué la reprise d'un village sur le front sud dans le cadre de sa contre-offensive contre la Russie. Les terroristes russes ont mené deux attaques par drone dans la région d'Odessa cette nuit, a annoncé le gouverneur de la région d'Odessa Oleg Kipé sur les réseaux sociaux. Conséquence des frappes ennemies sur un des ports du Danube, des entrepôts de céréales ont été endommagés, a-t-il ajouté. Ces ports sont devenus une plateforme clé pour les exportations de céréales depuis que Moscou est sorti en juillet d'un accord sur ses exportations par la mer Noire. Les forces ukrainiennes ont annoncé avoir abattu 13 drones durant la nuit dans les régions méridionales Odessa et de Mykolaïev. Parallèlement, Kiev a annoncé avoir repris un village de la région de Donetsk dans le cadre de sa contre-offensive contre la Russie. Ourojaïne a été libéré. Nos défenseurs sont établis à proximité. L'offensive continue, dans la région, a annoncé la vice-ministre de la Défense, Ghana Maliar, dans un communiqué sur les réseaux sociaux. La veille, le ministre russe de la Défense Sergueï Shoigu avait affirmé que les ressources de l'armée ukrainienne étaient « quasiment épuisées » et que la contre-offensive lancée fin juin par Kiev pour reprendre les zones occupées était un échec. Située dans une zone à la frontière des régions de Zaporijia et de Donetsk, partiellement occupée par la Russie, Ourojaïne, dont la population d'avant-guerre est estimée à environ 1,000 habitants, fait partie d'un groupe de villages que les forces ukrainiennes ont tenté de libérer ces dernières semaines. Le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kirilenko, a fait état mercredi matin de 4 personnes tuées et 7 autres blessées dans la région par les forces russes au cours des dernières 24 heures. Mardi, le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky est allé soutenir le moral des troupes dans le sud où les soldats ukrainiens cherchent à trouver depuis des semaines les points faibles des lignes de défense russes. Faites de champs de mines, de tranchées et de pièges anti-chars.